l'entreprise a connu un développement assez important au cours des années 90 en fait. Et aujourd'hui, ce qui prévalait, c'était de prendre en considération les conditions de travail de nos acteurs de production pour qu'eux-mêmes soient dans la démarche d'amélioration des conditions de travail en fait. L'âge avançant de nos collaborateurs, on avait cette ambition et ce devoir aussi de pouvoir les amener plus loin dans leur vie professionnelle chez nous et de les maintenir dans l'emploi. On est sur des postes l'agroalimentaire qui sont relativement difficiles. C'est aussi une nécessité de pouvoir essayer de les faire évoluer. Donc on a contacté un organisme de formation qui est venu faire un diagnostic et qui a rencontré chaque salarié pour leur expliquer en fait la démarche de l'entreprise. Il fallait qu'ils aient l'information sur l'ensemble des processus qui mènent à des maladies professionnelles en fait. Savoir analyser les postes de travail, avoir de la polyvalence sur les postes de travail, savoir les gestes qui abîment aussi, comment porter les caisses, dans quel sens les mettre, aménager certains postes de travail. L'objectif en fait c'était que le salarié prenne conscience au quotidien de son travail, qu'il réfléchisse à sa manière de travailler. Donc c'est bien le maître acteur de sa propre prévention et que ça puisse être démultiplié dans l'entreprise et que l'expérience que quelqu'un a connue sur un poste soit démultipliée sur un autre poste. Ensuite, on a eu une étude de poste qui a été faite aussi par un cabinet d'ergonomie qui nous a permis d'isoler les postes les plus critiques en termes de pénibilité au travail. Et de là, on s'est vraiment axé sur ces postes-là au départ pour voir avec la salariée présente sur ces postes comment on pouvait agir sur leur façon de travailler et comment on pouvait améliorer tout ça en fait. Donc c'est vraiment un dialogue entre le salarié et l'entreprise et le formateur bien sûr présent sur place. Nous sommes une petite PME, donc Opcalia nous a aidé à trouver les financements, à suivre l'évolution de la formation en termes de durée et de temps. Après en interne, il a fallu que je m'organise avec les responsables d'atelier pour pouvoir mobiliser une partie de leurs salariés à un temps donné. Il y a eu des actions qui ont été faites, concrètes, pour l'aménagement de certains postes et notamment pour la sensibilisation aussi des salariés sur la manière dont ils se cassaient au travail et comment ils pouvaient améliorer eux-mêmes leurs conditions de travail en fait. Je vous ai proposé de commencer par faire un diagnostic RH pour vous questionner sur votre stratégie, vos enjeux, votre organisation, pour mieux comprendre ce que vous voulez faire, de façon à mieux apporter une réponse, en tout cas à vous accompagner, à trouver la réponse formation qui allait bien, ce qui relève bien notre rôle à nous, conseillers formation Opcalia. Il s'agissait aussi de trouver les financements qui vous permettaient de mettre ce projet en marche. Je voyais que c'était le seul moyen ou un des moyens pour faire prospérer notre activité et notre profession. Aujourd'hui, la volaille n'est pas attractive, on en entend parler ailleurs. Je me suis toujours attaché à ce côté social. Qu'est-ce que vous pensez mettre en place et qu'est-ce qu'on peut faire éventuellement pour continuer à vous accompagner sur la suite à donner à ce projet? Je crois que la plus grande chose qui va être nécessaire chez nous, c'est de former tous nos encadrants à pouvoir promouvoir cette polyvalence, à promouvoir ces changements, parce qu'on travaille quand même dans l'urgence. Et là, il va falloir investir pour l'avenir.